Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Pixel Panda. Alors, non, j'ai pas oublié de continuer la série ou j'ai pas arrêté. Je comptais vous en faire assez régulièrement. Le problème, c'est que le petit trépied que vous voyez là sur la table qui me sert à faire ces vidéos, je l'avais oublié chez mes parents et du coup, je l'ai récupéré plusieurs semaines après. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un petit Sonic histoire de commencer avec du classique. Allez, c'est parti, les amis. Et donc les amis, on se retrouve après ce magnifique timelapse avec notre pixel art repassé. Donc on va voir si je me suis pas foiré au repassage. Je pense pas parce que celui-là il est petit. Si vous vous foirez au repassage sur un pixel art, hein, qu'il soit petit ou gros, vous pouvez toujours le rattraper. Vous mettez les parce que si des fois si vous repassez pas bien, il y a des perles qui se décollent et du coup vous remettez les perles qui sont décollées. Vous repassez un coup de fer à repasser. Et ni vu ni connu, ça fonctionne. Donc là, c'est la surprise quand on le soulève. Voilà, bah il est parfait. Je l'ai même fait un peu plat. Du coup, alors, si vous voulez faire vraiment un effet pixel art, je sais plus si je vous l'ai dit dans le premier épisode, mais vous pouvez appuyer un peu plus fort avec le fer à repasser, ce qui donnera un effet vraiment carré aux perles. Le problème, c'est que ça fond rapidement la plaque qui est en dessous et que du coup, bah, vous changez plus souvent de plaque. Moi, à chaque fois que je commande des perles, en fait, je recommande des plaques, comme ça, au moins, j'en ai quelques-unes en stock. Mais elle a l'air bien mou. Je l'ai vraiment beaucoup appuyé, en fait. On va y aller tout délicatement. Parce qu'il y a la partie du bas est un peu plus fragile. Bon, celui-là, il est très simple, hein. J'aurais pu vous en faire un plus compliqué de Sonic, je vous en ferai peut-être un une autre fois. Et voilà, celui-là, c'est vraiment le Sonic basique en pixel art. Voilà, il est décollé. Voilà, ça donne ça. Une fois terminé, le recto, enfin le verso, l'autre côté, ça donne ça. Vous voyez l'effet que ça fait sur les perles. C'est beaucoup plus joli de ce côté-là, forcément. Et pour vous montrer à l'échelle ce que ça donne, à côté d'une pièce de 1 euro, ça fait ça. Je peux vous montrer à côté du premier pixel art que j'ai fait. Voilà, le premier c'est celui-là, donc on est sensiblement sur la même taille de pixel art. Je vous en ferai des plus gros plus tard. Il y avait quelqu'un dans le premier épisode qui m'avait demandé combien j'avais mis de temps à faire celui-là, alors je n'avais pas regardé l'heure, sûrement une bonne demi-heure. Et celui-là, du coup, j'ai mis 40 minutes à le faire, même si l'avance rapide a sûrement duré 2-3 minutes. Voilà, moi j'ai mis 40 minutes à le faire. Et il y a certains, pour les plus compliqués, on peut y passer une après-midi. En général, moi, ceux qui sont vraiment assez compliqués, je les fais en plusieurs fois, voilà. Donc, un petit Sonic bien sympa. J'espère que cet épisode de Pixel Panda vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Trunks le Panda. Ciao, ciao!